Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ces photos 3D virales pour tes réseaux sociaux. Et avec un tout petit peu d'imagination, tu pourras créer plusieurs variations. Et ce qui est fou, c'est que c'est gratuit et que tu peux les générer en quelques secondes. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te montre un moyen de remplacer le visage du personnage par ta photo personnelle. Comme ça, la photo sera ultra personnalisée et unique. Sans plus attendre, rends-toi sur Bing. Il te suffit de te connecter avec ton adresse email. Tu vas ensuite cliquer sur le bouton de chat de Bing. Tu vas ensuite atterrir sur cette page du chat. Tu vas maintenant coller ce prompt dans l'espace destiné à cet effet, puis tu cliques sur le bouton Envoyer. Tu laisses ensuite Bing faire le travail. Il va te générer l'image à l'aide de l'intelligence artificielle appelée DALL-E 3. Une fois qu'elle a fini de générer les images, tu vas maintenant cliquer sur le texte en bas pour ouvrir le site créateur d'images de Bing. Tu peux maintenant cliquer sur l'une des images pour la voir en taille réelle. Tu peux également cliquer sur la flèche de droite pour défiler les images qui viennent d'être créées. Tu peux télécharger gratuitement chaque image et tu peux remarquer qu'il n'y a aucun logo dessus. Tu peux aussi modifier le prompt pour obtenir de nouvelles images. Laisse ta créativité s'exprimer pour créer ton chef-d'œuvre. Tu viens de voir qu'en modifiant un tout petit peu ton prompt, tu peux obtenir de nouvelles images tout aussi intéressantes les unes que les autres. Si cette première partie était déjà super intéressante pour toi, tu vas être époustouflé quand je vais te montrer maintenant comment mettre ton visage sur les photos que tu viens de générer. Pour ça, tu vas taper sur Google « Remaker AI ». Tu cliques ensuite sur le premier résultat. Tu vas maintenant défiler le site vers le bas, puis tu vas cliquer sur « Face Swap Now ». Tu vas ensuite atterrir sur cette page. Tu vas maintenant cliquer sur « Upload Image », puis tu vas sélectionner la photo que tu veux modifier. Une fois que tu as fini d'uploader l'image, tu vas maintenant cliquer sur « Upload Swap Image » pour sélectionner la photo du visage à permuter. Tu vas ensuite cliquer sur le bouton « Swap » pour commencer la transformation de ton image. Il te suffit d'attendre quelques secondes pour que l'intelligence artificielle génère ton image. Tu peux constater que le résultat est vraiment bluffant. Il ne te reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Download » pour télécharger ton image, car elle est désormais prête à être publiée sur les réseaux sociaux. Pour générer jusqu'à 300 € par jour avec ce que tu viens d'apprendre, tu vas aller sur ComUp puis tu vas proposer ce service sur cette plateforme. Tu vas pouvoir facturer entre 10 à 30 € la photo. Mais tu ne vas pas proposer ces images telles qu'elles sont générées, tu vas d'abord les personnaliser avec la photo de ton client ainsi qu'un screen de son réseau. Par exemple, tu peux les modifier sur Canva, puis ajouter quelques éléments pour que ça soit parfait. Si tu arrives à avoir par exemple 5 à 10 clients par jour, tu pourras générer entre 50 à 300 € par jour. Ainsi se termine ce tuto. À toi de jouer pour générer des revenus sur Internet et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. À la prochaine!